en direct depuis les nouveaux studios de 100% Radio, Boulevard Désert. Applaudissements. Ouais. Wilfried et Clémence qui m'ont rejoint. Bonjour Axel, bonjour Clémence. Alors je vous promets jusqu'à 18h un courant d'air de fraîcheur avec Boulevard Désert. Bonjour tout le monde. Salut, salut, tout le monde. Ah. Florent, attends, je n'ai pas entendu. 1, 2, 3, salut tout le monde. J'étais à Mazamé par là. Voilà, j'avais prévenu, Axel il a 18 potards devant lui, ouais. Donc il n'est pas habitué. Ça fait beaucoup de monde. Boulevard Désert sur 100% en direct du studio Calogero. Calogero qui a été à votre place il y a une semaine, hein, c'est ça Axel? Oui, c'était il y a une semaine. C'était il y a une semaine. Clémence et Axel sont avec moi pour passer un très bon moment et on est tous surexcités de vous accueillir. Et ce parce que déjà ça fait très longtemps qu'on a l'habitude de se croiser depuis plus de 10 ans maintenant. Exact. Sylvain et Florent. En témoignent les quelques trophées qui trônent par là-bas. Et vous parlez des disques d'or, en effet, que vous nous avez gentiment offerts. Et alors, je réfléchissais à quelque chose. Je crois que je ne vous ai jamais accueilli en studio. Réfléchissez. Non, on était... Sylvain, Florent. Attention, il faut une bonne réponse. Non, on était toujours délocalisé. Exact. Ouais. Mais soit Castres à... Toi, tu pourrais faire un très bon directeur de radio délocalisé. Très bien, ah ouais, c'est vrai. Moi, j'ai un dictionnaire. Et délocalisé incroyable. Dans la région, pour un groupe de la région, de Tarbes, Boulevard Désert. Alors, on a fait tous les départements. Hein. On a fait des événements en Haute-Garonne. On va citer le Bikini, hein, pour montrer vraiment qu'on est de la région. Capitole, il y avait la fête de la musique. Et en effet, on a fait des émissions délocalisées. Vous n'étiez jamais venu en studio. Et moi, je pense que ça s'applaudit. Boulevard Désert, enfin, depuis 10 ans, en studio. On a fait Condon ensemble. On a fait Condon. Alors, je voulais vous parler du Gers également. Ouais. On a fait, bien sûr, les Hautes-Pyrénées. On a fait le Tarn aussi. On en parlait tout à l'heure. Tarbes et Albi, il y a un an, pour le 100% live dans la voiture. Enfin, nous, on n'était pas en voiture. Mais... Vous n'étiez pas en voiture. On était vous sur étiez la scène. Sur scène. Et évidemment, vous, comme nous, la scène, ça nous manque. Et Axel et Clémence, je vais vous poser la question. Bah nous aussi, ça nous manque. Ben oui, ça, bah évidemment. Ça vous manque. Et moi, j'aimerais bien qu'on entende en live. Ah ouais. Sylvain et Florent sur 100%. Parce que ça ils fait très direct, longtemps qu'on n'a pas vu ça. Même les rencontres alors, à la radio. Il y a un peu de public. Parce qu'on a quand même les gagnantes du concours qui sont là. On vous présente Agnès et Laura. Agnès et Laura, qui sont de Toulouse. On a organisé un jeu pour gagner sa rencontre avec Boulevard Désert. Bah, ça y est. Rapprochez, tiens, Laura et Agnès, puisque Sylvain et Florent sont en train de se préparer pour avoir le live. Bonjour, Laura. Bonjour. Bonjour Agnès, parlez dans le micro. Est-ce que vous avez préparé vos questions pour Boulevard Désert? C'est le jeu, hein? Oui. Oui. Deux élèves studieuses. Bon. Ouais. Agnès un petit peu moins. Agnès a l'air moins sûre d'elle. Non mais Agnès, elle me paraît stressée. Elle a vu Sylvain et Florent, ça y est. Sont prêts les gars? Eh ben c'est quand vous voulez. Boulevard Désert, en direct sur 100%. On va en profiter un max jusqu'à 18h. J'ai les souvenirs qui toussent et la mémoire qui bégait. Le temps a filé en douce sans m'en parler. Et j'ai beau faire au mieux, j'ai beau sans cesse essayer. Ce que j'ai vu de mes yeux s'est délavé. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école. Toi mon amour perdu d'avance, j'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu. Toi et moi devenir vieux, allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux, allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux, allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux. Je me rêvais éléphant, me voilà devenu moineau. On ne dompte pas le temps, ce drôle d'oiseau. On égare les valises qui gardent nos moments et se vide nos remises à pas géant. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance. J'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu. Toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux. Ta-da-da-da-da-da.
Tardadam, tardadamda, tardadam, tardadamda, tardadam, tardadamda. Tout le monde, allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux, allez reste encore un peu. Ici aussi, hein. allez reste encore un peu. Toi et moi, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Tadadamda, tadadam, tadadamda, tadadam, tadadamda, tadadam, tadadamda. Ambiance sur 100%, Boulevard des Airs, en direct. Florent et Sylvain, Boulevard des Airs, en direct, jusqu'à 18h. On va en profiter. Je vois que celui qui est le plus rapide à la course, c'est Sylvain. C'est celui qui n'a pas la guitare, pour être honnête. Parce qu'il faut quand même expliquer, Sylvain, pendant que Florent va tranquillement s'installer. Voilà. Pardon de jouer de la guitare. Hein, mais... on t'excuse, ça va. Florent a choisi chanteur, en fait. Florent à la guitare et au cœur, et Sylvain au chant. On va quand même expliquer pourquoi Florent... mais tant de temps à rejoindre son siège et à se déplacer. Vous étiez où hier? On était où? Dans l'avion. En Martinique. En Martinique, ouais. Voilà. On était à Sainte-Anne. Et moi, je pense qu'on peut encore les applaudir parce que hier en Martinique, bonjour le décalage horaire. Et on leur a demandé de venir et les garçons sont là. En tout cas, félicitations. C'était pourquoi cette visite? Pour une émission télé. Oui, on peut dire laquelle on peut en parler ou... Elle n'a pas de titre définitif encore, mais c'était une sorte de fête des Outre-mer. D'accord. Ça sera diffusé en octobre prochain, je crois. C'est ça. Sur le service public. Ça a été très compliqué. J'ai vu une petite photo sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec la présentatrice. Oui, avec Laurie Tillman, qu'on embrasse très fort. Vous étiez sur un petit ponton, là, on était bord sur de la un mer, ponton. Tranquille. D'ailleurs, la séquence qu'on a tournée a été tournée sur ce ponton-là. Oui. Et c'est vrai que c'était ouais, c'était un bon moment. Elle a voulu qu'on... C'était chiant, elle a voulu qu'on... un truc affreux entre deux prises, donc on l'a fait. Il faisait 40 degrés. Ouais. Un enfer. Et ben en tout cas, merci d'être là, les gars. À Toulouse, en Occitanie, partout dans la région, avec des auditeurs et des auditrices. Ou, Axel, on appelle ça un micro-trottoir. Parce ouais, que on était... Florent a envie de piquer ta place. Hein. Il a dit tout à l'heure, moi, je veux faire de la radio. Ouais, alors, piquer ta place, j'ai pas dit ça. Mais il parlait avec le boss, avec Jacques, et il lui a demandé un créneau. Et je sais pas pourquoi, il lui a dit, tu peux voir avec le créneau d'Axel. Bon, en tout cas, oui, 10 ans de carrière, ça se fête, évidemment. On est là aussi pour fêter vos 10 ans. Et on a été demandé aux personnes dans la rue, comme ça, au hasard. De la région. Voilà, de la région, ce qu'ils pensaient de Boulevard des Airs. Est-ce que vous évoquiez justement aux personnes dans la rue et on écoute. Oui, j'avais déjà écouté quelques musiques de Boulevard des Airs. Je crois qu'il a fait une collab avec Vianney récemment, si je dis pas de bêtises, et franchement grave cool. Oui, j'aime bien, notamment Emmène-moi, ça me détend. Celle que j'adore, c'est Bruxelles, parce que voilà, il y a une histoire d'amour, de perte, tout ça, donc je trouve ça hyper beau. Voilà, et j'aime beaucoup celle avec Patrick Bruel. Boulevard des Airs, je l'ai entendu, c'était à Pau, ça remonte à 8 ans ou 10 ans, je crois. Comme la majorité des personnes, on a écouté quand ça a fait un boom, quand c'est sorti. Après, c'est sympathique l'été, ça fait des bons rythmes. Quotidiennement, ouais, dans la voiture souvent, parce que c'est pas trop des musiques qu'on écoute en soirée, mais plutôt dans la voiture, avec mes potes et tout, franchement, c'est grave bonne vibes. C'est bonne vibes, c'est grave, Boulevard des Airs. J'adore l'idée d'être un groupe qu'on écoute dans sa voiture. Un groupe qu'on écoute dans sa voiture. Ouais, pour se détendre dans les bouchons au lieu d'insulter. J'écoute, ouais, carrément. Non, mais c'est vrai, c'est chouette de écoutes... savoir qu'on accompagne les gens dans leur tour. Voilà. Ouais. Tu écoutes quel groupe, toi, Sylvain, en voiture? Oh, ça dépend. 100%. Oh, c'est très large. Bien répondu, bravo. Bravo, Sylvain. Bonne réponse. Et toi, Sylvain, tu écoutes quoi? T'as le temps de réfléchir. T'écoutes quoi, Sylvain, en voiture? C'est Florent. Flo, moi c'est Flo. Attends, non mais il est en Guadeloupe. Ils ont les masques. Il est en Guadeloupe juste à côté. Ouais, c'est ça. Moi aussi j'étais avec vous pour le voyage. Écoute, moi je suis pas trop radio, j'avoue. Je suis plutôt sur mes playlists Spotify. Quoi. Et tu veux bosser en radio alors? Ouais. Et tu n'écoutes pas la radio. Flo, va falloir s'y mettre. Hein. C'est vrai. Mais c'est pour ça qu'on pourra découvrir ces faire découvrir ses titres préférés aux auditeurs. Voilà. Il y a un truc. Mais bien sûr. Il y a un truc. C'est un concept d'émission. C'est pour ça qu'on bosse en équipe pour interviewer un groupe. Et d'ailleurs, si on écoutait un extrait de leur dernier album. Alors. On va découvrir un nouveau titre. Attention, Axel. Attention, Clémence. Là, il faut. Alors, justement, puisque Florent veut faire de la radio, ça, j'aurais jamais dû dire ça. Il faut l'amener. Mais si, il faut l'amener, Florent. Ouais. Tu vas l'amener. Parce qu'on a tu le droit. Tu vas nous présenter un titre. Vous nous avez donné l'autorisation de diffuser avant tout le monde
un nouveau titre. Ah mais t'as fait tout le teasing là. Ah ben non, ah ben non, non. Franchement, quel non. meilleur teasing en radio. Merci. Que de dire que, c'est le, que c'est la première fois qu'un titre va être diffusé. Ah c'est vrai. Que j'avoue, personne n'a jamais écouté. Exactement. Puisque ce n'est pas disponible sur les plateformes. Tout à fait. Non, mais même pour les plateformes. Donc là, c'est pas sur Deezer, Spotify. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y sera que vendredi. Et nous sommes exactement. Mardi. Sylvain, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, mais tout le monde me coupe la parole. Donc. Non, je voulais rajouter que personne n'a écouté puisque c'est une nouvelle version du titre qui s'appelle Dis-moi comment tu danses. Et on doit être une dizaine à l'avoir écouté. Alors, Dis-moi comment tu danses, sur l'album, évidemment, Loin des yeux, 12 duos, 12 titres inédits. Exactement. Dont ce titre qu'on va écouter avant tout le monde et en exclusivité grâce à votre autorisation. C'est bien vendu, Florent. Notre gentillesse. Voilà, ça te dit. Ça faisait presque peur, mais c'est ça. D'abord, on l'écoute maintenant sur 100%. Boulevard des Arts avec nous jusqu'à 18h. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi, est-ce que tu penses que tout ça va durer? Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi, est-ce que tu penses que tout ça va durer? Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. L'amitié, c'est les cœurs, les amis. C'est ceux qui t'accompagnent, même quand tu chantes faux. Quand t'es pas hyper juste, ça arrive. Ils s'arrêtent pas, les cœurs. C'est difficile de définir l'amitié, la vraie. Et quelque part, c'est très simple. Quelque part, c'est très simple. C'est quand tu sais plus sur quel pied danser. Tu sais plus où ta tête allait. Quand la vie va pas, non. Quand la vie va pas. Tu sais plus sur quel pied danser. Tu sais plus où ta tête allait. Ils s'arrêtent pas, les cœurs, non. Ils s'arrêtent pas. Dis-moi comment tu danses. Je te dirai qui tu es. Dis-moi, est-ce que tu penses que tout ça va durer? Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Les amis, c'est ceux qui sont encore là, point. C'est ceux qui sont encore là après toutes ces années, après toutes les distances, après toutes les crises. C'est ceux qui sont encore là, vraiment là, et malgré tout. Tu vois, c'est très simple. C'est très simple, c'est quand. Tu sais plus sur quel pied danser. Tu sais plus où ta tête allait. Quand la vie va pas, non. Quand la vie va pas. Tu sais plus sur quel pied danser. Tu sais plus où ta tête allait. Ils s'arrêtent pas, les cœurs, non. Ils s'arrêtent pas. Dis-moi comment tu danses. Je te dirai qui tu es. Dis-moi, est-ce que tu penses que tout ça va durer? Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi, est-ce que tu penses que tout ça va durer? Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi, est-ce que tu penses que tout ça va durer? Les étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu danses. Dis-moi comment tu danses. 100% en direct depuis les nouveaux studios de 100% Radio, Boulevard des Arts. Alors c'était Boulevard des Arts sur 100%. Non mais c'est, on a placé, comme dirait Sylvain, on a placé le produit. C'est pour éviter de se le faire piquer. 100%. Voilà. Voilà. Donc en exclusivité, on le rappelle, et je vais poser la question à Boulevard des Arts parce que nous on se met en tant qu'auditeur, on vient d'entendre ce titre, extrait de l'album Loin des yeux. Ça fait quoi d'entendre un produit fini du producteur au consommateur à l'instant là Local. De saison. De saison. Consommons local, consommons ah, Boulevard des Arts. Non mais ça fait toujours plaisir d'entendre pour la première fois à la radio un titre qui vient de sortir du four. Vraiment, en fait, il est tout frais pour nous, donc c'est toujours très bien.
Florent. Écoute, j'ai passé un bon moment. J'espère que les auditeurs aussi. Parce que c'est important. Ça serait bien. Je suis tout seul à avoir passé un moment. Moi, ce que je trouve génial dans ce morceau, c'est que tu parles vraiment. En fait, tu parles, tu t'adresses vraiment au public. Tu nous parles. Ça, c'est top. Je trouve. C'est un peu. Ça change. Il y a un côté narratif dans les inédits dont tu parlais dans cet album Loin des yeux. Cet album qui ressemble un peu à un journal intime, un peu le carnet de bord de BDA. Et ouais, quoi de plus chaleureux comme ça que de s'adresser directement à l'auditeur. En tout cas, moi je suis ravi de vous accueillir. Nous sommes ravis de vous accueillir. Il y a un titre sur votre album qui s'intitule Que tout ça recommence, suite évidemment à la Covid. Vous étiez séparés, vous étiez en groupe, vous étiez comment? On était séparés, ouais. D'où le titre de cet album Loin des yeux, parce que nous étions Flo et moi et puis les autres membres du groupe séparés. On était séparés de la scène et donc du public. Cet album qu'on a voulu un peu comme un cadeau aux gens qui nous aiment et qui nous suivent. Donc voilà, Loin des yeux, mais près du cœur, c'est ce qu'on voulait dire en creux. Vous étiez séparés, mais les réseaux sociaux vous ont rassemblés parce que vous étiez vachement présents auprès, alors j'allais dire des auditeurs de 100%, mais auprès de tout le monde, puisque sur les Facebook vous faisiez des lives. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le 7 mars, on a donné le dernier concert aux Zénith de Toulouse d'ailleurs. Et puis quelques jours après, on était confinés. Et c'est vrai que assez rapidement, on a donné rendez-vous aux gens qui nous suivent quotidiennement sur les réseaux sociaux où voilà, on échangeait, on jouait de la musique, on a partagé aussi ces lives avec d'autres artistes qui étaient aussi chez eux, d'où d'ailleurs ces 12 duos sans transition. Je vois que Florent, la radio, c'est vraiment... J'essaie de marquer les points. C'est très bien parce que j'allais dire justement les gens qu'on a vus également beaucoup présents sur les réseaux sociaux, comme Patrick Bruel par exemple, qui lui aussi a fait pas mal de Facebook Live. Il est présent sur votre album. Il est présent. Comme qui? Tiens, parlez-moi en 30 secondes de tous les duos là. Bah écoute, le casting, challenge. Est très simple. On a appelé les gens qu'on connaissait le mieux, les lieux, ceux avec qui on s'entendait le mieux aussi. Et donc, de manière très naturelle, on a appelé Jérémy Frérot, on a appelé Claudio Capéo, Gomain Serres, Patrick Boy, Yannick Noah, Doya, Lunis, Lola Dubini, Trio, bien sûr. Trio. Faut pas en oublier. Et puis, je les ai tous fait. Hein. Ouais. Et Vianney, Doya. Doya aussi. Voilà. Non, en tout cas, voilà, 12 potes, 12 gens qu'on aime beaucoup. Et ben, Boulevard Désert avec nous sur 100% jusqu'à 18h. On revient dans un instant. Ouais, en attendant un petit duo justement. Encore Malade Louane, Wilfried. Faut envoyer la pub. C'est après la pub, c'est ça. Okay. C'est bon ça. 100% radio partout dans la région avec Boulevard Désert en direct jusqu'à 18h. Juste avant de les retrouver avec Axel et Clémence, c'est l'heure des infos, le rappel des titres avec Djibril. Bonjour Djibril. 100%. Bonjour Wilfried, bonjour à tous. À la une de l'actualité aujourd'hui, le ras-le-bol généralisé à Toulouse des policiers municipaux qui ont entamé aujourd'hui une grève illimitée avec des actions, des brayages ponctuels prévus aujourd'hui. Ils veulent faire reconnaître la pénibilité de leur métier, selon le syndicat. Dans le reste de l'actu également, en France, un suspect interpellé est placé en garde à vue concernant l'agression raciste à Cergy en région parisienne. Une enquête avait été ouverte après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo où l'on pouvait voir un homme agresser un livreur Uber Eats à Cergy dans le Val d'Oise. Un suspect donc placé en garde à vue aujourd'hui vers 13h. Et puis en tennis, Roland Garros, enfin un deuxième Français qualifié pour le second tour. C'est Gaël Monfils tout à l'heure qui s'est difficilement débarrassé de l'Espagnol Ramos Vinolas en 4-7. Et puis là en ce moment, c'est le match du jour. Le jeune Toulousain Hugo Gaston qui défie un autre Français, Richard Gasquet, en ce moment. C'est mal parti pour Gaston. Il a perdu le premier set 6-1 tout à l'heure. Là, c'est plus équilibré. Dans le deuxième set, on est à 3-1 pour Gaston. Florent, je sais que toi, tu suis un peu l'actu tennis. Un pronostic peut-être? Je crois que c'est 3-1 pour Gasquet. Je veux pas te contredire, mais. T'as pas entendu, pardon? Je crois que c'est 3-1 pour Gasquet, et pas pour. D'accord. Non, c'est pour Gaston. Il gagne 3-1. Non, en fait, il y a 6-1. Florent. Non, mais Florent est en décalage horaire. Attendez. Il a annoncé le score tout à l'heure de Gasquet, et là, on suit avec. Djibril. Quoi? Avec Djibril. Ah, tu fais Roland Garros, toi? Oui, bah oui. Moi, je suis sur l'écran en même temps, là, je suis en direct. Là, je vous avoue, je sais plus ce qui se passe. Alors, on en est où, Djibril, dans le match? C'est tout ça. Toulousain, c'est s'il tout vous plaît. Ça. Oui. Alors, premier set, Gasquet s'impose 6-1. Deuxième set, là, on est à 3-1 pour Gaston. Voilà. Bah, Gaston, Gasquet, Gasquet, Gascon. Voilà. Oui, exactement. Hein? Gascon. Merci, Florent. En direct depuis les nouveaux studios de 100% Radio et Boulevard Désert. Tu réponds à la question, le pronostic alors pour la fin du match? Je crois pas que Hugo va tenir le coup. Bon.
Il est 141ème mondial quand même. Gibril, là, faut savoir. Moi j'essaye de placer une info. Ouais, il est 141ème. Je l'ai vu. Voilà. D'accord. Boulevard des Airs avec nous jusqu'à 18h. C'est un véritable plaisir. À l'occasion de cet album Loin des Yeux, on a eu un titre en live tout à l'heure et je pense qu'avant 18h, on aura un autre avec grand titre. Plaisir. Merci Florent, merci Sylvain. On va revenir sur votre carrière. Alors, est-ce qu'on peut avoir. 10 ans de carrière. Une illustration sonore pour ces 10 ans de carrière. Eh ben, leur premier tube peut-être. Ah, voilà. Je vois que. Que Sylvain est pas content. Qu'est-ce qui se passe, non, Sylvain? Non, rien. C'est ma mère, elle m'a envoyé un texto en disant pourquoi il parle de 10 ans de carrière. Ça fait 17 ans que vous avez commencé. Donc voilà. Ouais, ah, Sylvain, ma mère m'a envoyé un SMS. Parce que tu es en train de nous dire que ta maman nous écoute. Bah, a priori, ouais. Voilà. Donc, alors, comme tu fais le malin, Sylvain. Donc, elle n'est pas d'accord sur quoi? Ben, elle dit, sur le concept des 10 ans, elle dit non, ça c'est quoi, faux, puisque c'est... c'était en 2004, donc ça fait 17 ans. Est-ce qu'on peut appeler la maman de Sylvain, s'il vous plaît? On peut, c'est possible. Oui, oui. Bon, et ben Sylvain, si elle écoute encore. Je vais appeler ta maman. Qui s'appelle qui s'appelle Rosemary. Rosemary, très joli prénom. Axel, on a demandé d'appeler la maman de. Ça de compose. Sylvain. Ça compose. Le numéro c'est très a bien. Été composé. Ah, attention. Putain, oui, allô Rosemary? Oui, bonjour. Bonjour, Wilfried de 100%, je suis avec Clémence, je suis avec Axel et je suis avec un certain Sylvain. Désolé, je t'ai balancé. Oui. Et avec Florent. Tout à fait, je suis au courant. Alors, il vient de me dire. Je vous entends. Il vient de me dire, maman m'a envoyé un SMS, ce qu'il dit sur les 10 ans, c'est pas vrai. C'est ça, parce que 10 ans, mais non, ça fait bien plus que ça. Donc, ils ont démarré en 2004. Donc, voilà. Vous êtes bien en train de nous écouter, donc. Oui, tout à fait. Très bien. Mais moi, je voudrais une anecdote. On va régler ce problème de 17 ans de carrière. Pourquoi 17 ans alors? Non. Alors, ah, non, 10 ans, effectivement, le premier album dont vous venez de parler. Cielo. Paris Buenos Aires. Attends, mais laissez-la parler. Mais je crois qu'elle est partie, en fait. Ah, bah oui, ciao, Rosemary, bisous. Est-ce qu'on peut rappeler Rosemary, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Rosemary qui était en direct avec nous. Bon, bah, c'est le direct, hein, de toute façon. Donc, Sylvain, tu vois. Donc, ce qu'elle allait dire. Ce qu'elle allait dire, 2011, sortie du premier album. Si on considère que notre carrière dépend de notre discographie, vous avez tout à fait raison. Mais si vous parlez de la création. Ça fait 17 ans. Allô? Allô? Oui, Rosemary, on vous avait perdu. Oui, oui. Vous êtes revenu, donc on était en train de se dire que donc c'est la création 17 ans. Oui, la création du groupe date de 2004. Le premier album, effectivement, qui est sorti et qui a été connu, ça a été Paris Buenos Aires, effectivement, en 2011. Exactement. Mais en 2004, ils démarraient tout juste et ils étaient lycéens. Ils n'avaient pas le permis, donc je les amenais avec les instruments à droite à gauche dans les petites salles. C'est vous qui... Ah d'accord. Et est-ce que vous vous souvenez... Et maintenant, c'est Wilfried qui nous amène en fait. Est-ce que vous vous souvenez avec le patron de la radio maintenant. La première salle. Est-ce que vous vous souvenez de la première salle? La toute première. Bah c'était... Oui, la première salle, ouais. Vous dites. Première salle, premier concert. J'étais là partout au départ. Partout. Combien de personnes? Dans une salle de fête dans le Gers à Ignan. On y revient. Il devait y avoir 3-4 parents et quelques voisins. En mode Covid à l'époque, déjà. Donc, on est d'accord, 17 ans pour la création du groupe et 10 ans pour le premier album. Exactement. Merci de remettre les pendules à l'heure, maman. Rosemary, j'ai une petite question quand même. Oui, j'ai une petite question, Rosemary. Est-ce que c'était un enfant turbulent ou pas du tout, Sylvain, quand il était petit? Non. Du coup, il n'y avait pas de dossier. Bon, d'accord. Non, il était très fouteux, donc il passait les week-ends sur les terrains de foot. D'accord. Fouteux. Et pour la Sylvain. Semaine, il faisait de la musique. Ah, voilà. Quand même. Il soutenait quelle équipe de foot? Les cigognes à Sousse. Les cigognes à Sousse. Eh oui. Ben ouais, qu'on salue, car je sais que les cigognes nous écoutent. Merci beaucoup, Rosemary. Vous êtes bien sympathique de nous avoir répondu en direct alors que ce n'était absolument pas prévu. Merci, c'est vrai, Sylvain. Je confirme. Hein, ben voilà. Merci, Rosemary. J'essaie de remettre les pendules à l'heure. Alors. Exactement. Et vous la prochaine fois raison. Qu'on fait une émission avec Boulevard des Airs, vous venez, vous serez présentatrice, Rosemary. Avec plaisir. Je vous écoute régulièrement, donc avec plaisir. Merci, maman, et encore bonne fête pour dimanche. Merci, bonne soirée. Merci, Rosemary. L'extrait de 2015 maintenant, puisqu'on est sur les dates, mon cher. Il me semble que c'est Bruxelles.
Donc là, c'est un tournant aussi quand même pour votre carrière, parce que c'est à ce moment-là que beaucoup de gens vont vous découvrir, avec un troisième album déjà et 200 000 exemplaires vendus de Bruxelles. C'est vrai, un tournant, parce que comme tu l'as dit, il y a plusieurs titres sur, extraits de cet album qui ont été repris largement par les médias, et effectivement, ça nous a permis d'asseoir un petit peu la notoriété du groupe et de continuer à parcourir les festivals un peu partout en France, et c'est vrai que parmi ces extraits, il y avait Bruxelles et Amène-moi. 2019. Alors 2019, c'est important parce que c'est une victoire de la musique en 2019. Victoire de la chanson de l'année pour ce duo avec Vianney, Allez reste. Et c'est aussi le titre le plus diffusé de l'année 2019 en radio. Merci. Voilà. aucune polémique sur ce que dit Axel pour l'instant. Si. Attention. On me rappelle ta mère. On a reçu la victoire de la musique pour le titre Je me dis que toi aussi. Ah d'accord. Il y en a tellement même. Axel. Et là c'est mon père qui m'a appelé. On va appeler papa. Trois nominations il me semble pour les victoires. C'est ça, trois nominations. Essaye pas de te rattraper. Un an plus tard, on va aller vite. Un an plus tard, c'est Les Enfoirés. Oui. Avec Tibbs. Parce que vous avez écrit ce tube. Comment ça s'est passé justement alors cette sélection pour Les Enfoirés? Bah écoute, un jour de 2019, monsieur Yves Maillet nous appelle et dit écoutez les gars, ça vous dit pas d'essayer d'écrire le nouvel hymne des Enfoirés? Donc nous on était là, ok, on va essayer. Petit challenge. On va essayer. Et de la rencontre avec deux amis, Tibbs et Hugo Lab, est née cette chanson À côté de toi qui deviendra du coup l'hymne officiel des Enfoirés 2020. Et c'est peut dire que c'est un honneur d'avoir participé à cette aventure. Et petite anecdote sur ce titre, on va dire que ce sont des guitaristes qui ont composé ce morceau. Et pour des artistes qui ont chanté ce titre, au début c'était un peu difficile, comme par exemple pour Julien Clerc au niveau de la rythmique. Julien Clerc a dit « Ouais, c'est des guitaristes qui l'ont fait, ça va très vite ». Et au début, pour interpréter la chanson, c'était un petit peu… Mais tu sais qu'il m'en a reparlé hier. Ah bah tu vois, Julien Clerc qu'on a eu aussi sur 100% Julien Clerc dans l'avion. Et il m'a dit qu'ils avaient galéré sur à ben côté voilà. de toi. Voilà, c'est ça. Où le placer exactement? Ouais, où le placer et tout. C'est marrant, il m'en a parlé hier. Bah ben écoute, les grands esprits se rencontrent. Ouais. Mais c'est parce que j'ai son téléphone à côté. Là, c'est pour ça que j'ai regardé un message de Julien. 2021. Bah 2021, on y est. C'est en ce moment, en tout cas, sur 100%. Avec l'UNIS. Tu rentres à Bruxelles. Bruxelles. Encore Bruxelles. 2.0 un peu. 2.0. Encore Bruxelles, ouais. 2.0, puis ce qui est sympa, c'est que c'est en duo, voilà, avec un groupe en plus en développement, parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que sur cet album, il y a 12 duos. Il y a des duos avec des gens très connus, puis il y a des duos avec des gens pas du tout connus, et c'est aussi une fierté sur cet album-là d'essayer de mettre en avant comme ça des jeunes groupes qu'on a découverts il n'y a pas longtemps. Et un groupe très connu qui s'appelle Boulevard Désert, peut-il aller rejoindre l'espace live? L'espace scénique. L'espace scénique. Rien à voir avec la voiture. Que vous inaugurez aujourd'hui d'ailleurs. Qu'on inaugure aujourd'hui avec Boulevard Désert, un grand studio ici à Toulouse, avec une partie réservée au live, une guitare, deux micros. Moi j'adore ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de live, et nous on est privilégiés, on les a devant nous, et vous êtes derrière la radio, Sylvain et Florent de Boulevard Désert, avec ce que vous voulez, hein, les garçons, c'est à vous. Et qu'importe le temps, qu'importe le vent, j'avance en titubant, oui j'avance en titubant. Comment te dire ce que je ressens? Comment faire pour faire autrement que ça? Et qu'importe le bruit, qu'importe la pluie, et j'avance dans la nuit, oui j'avance dans la nuit. Comment ne plus jamais t'aimer ainsi? Comment faire pour que je t'oublie, dis-le-moi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure, et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure, et quand je ris, je me dis que toi aussi. Parara parara, parara parara, parara parara, je me dis que toi aussi. Parara parara,
C'est un rêve, réveillez-moi. C'est un fait, je n'y crois pas. Et c'est bien fait pour moi. Oui, c'est bien fait pour moi. Comment fait-on pour s'éloigner de soi? Comment sort-on de ses propres pas? Dites-moi. Quand soudain, sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit titubant, titubant, sous j'ai fui. Je suis parti loin de la maison, je suis parti, et depuis. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure, et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure, et quand je ris, je me dis que toi aussi. Parara, 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 tout le monde. Parara, parara, je me dis que toi aussi. Parara, 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 papapa. Parara, parara, je me dis que toi aussi. Parara, 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 je me dis que toi aussi. Parara, parara. Parara, 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 parara. Je me dis que toi aussi. Boulevard des airs sur 100%. Sylvain Lutuche, Laurent Basque avec nous jusqu'à 18h. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on a commencé l'émission avec Boulevard des airs. Axel, là, on voit Clémence, pas le temps passer. Je pense que vous en... et c'est important parce qu'on a quelque chose de très important. Clémence est là. Oui. Tout spécialement pour vous apporter du bonheur et apporter du bonheur aux associations ou une association que vous défendez. Florent et Sylvain, on a des euros à vous offrir pour l'association pour laquelle vous allez jouer. Vous choisissez quelle association ? Eh bien, quand vous nous avez parlé de ce truc, de suite on a pensé à une association qui s'appelle les Chiens Jaunes d'Escala. C'est une association avec qui on a bossé pas mal de fois. En fait, c'est comment dire ? Comment expliquer ça, Flo ? Bah, écoute, c'est une structure qui est rattachée à l'hôpital psychiatrique de Lannemezan et qui s'occupe des enfants en difficulté qui n'ont pas encore l'âge en fait de bénéficier des soins de l'hôpital. Et donc, il y a des soignants de l'hôpital qui se relaient pour s'occuper de ces enfants-là. Et on a déjà travaillé avec eux, comme l'a dit Sylvain. On avait échangé, travaillé, écrit sur un texte. On les avait invités sur scène. Et donc, on a pensé à eux tout à l'heure quand on en parlait du choix d'association. Donc, c'est pour eux que nous allons jouer. Attention, est-ce qu'on peut envoyer de la musique? On doit chanter, on doit faire quoi? Non, 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 on ne peut pas chanter. C'est qui? M. M. M qui chante? Qui donne? C'est le grand jeu de Clémence. Qui de vous deux? Oui. 500 euros à gagner pour l'association, donc on vient d'en parler. Alors, pour ça, il faut répondre à ce questionnaire. Qui de vous deux spécial Enfoiré. Vous avez participé aux Enfoirés, ouais. Évidemment. Il va falloir répondre très franchement aux questions. Je te laisse poser la question, Clémence. Alors déjà, on va commencer avec la question basique. Qui de vous deux est le plus enfoiré? N'ayez pas peur. Sylvain sourit, Florent par contre fait une grimace. Non, de toute façon, s'il y a un mensonge, il y aura la petite cloche. Exactement. Voilà. On a quand même... On joue pour 100 euros, là. Oui, exactement. C'est parti. Je trouve pas qu'on soit si enfoiré que ça. Pas vraiment. Ah non, mais il faut quand même une question. Allez, pour départager. Bah je me jette. Allô. Ouais, allez. Merci. De toute façon, il y a un petit questionnaire. C'est Flo, 5 questions de bonne réponse, qui va là. Vous départager. Voilà. Tu t'imagines? Eh ben non, c'était Sylvain. Eh ben non. Eh ben voilà. C'est vrai que t'aurais pu balancer la clochette là, franchement, la clochette. Là. Voilà. Alors on vous départager tout de suite. Première question. Qui de vous deux est capable de partir d'un resto sans payer? Ouais, moi clairement. Flo. C'est Flo. Moi, je le fais tout le temps. Flo. Ouais, mais quand est-ce qu'on donne les sous là? Il a répondu, c'est bon. Eh ben ouais, 100 c'est euros. Bon, 100 euros. Mets la clochette. 100 euros. Ah, c'est double. Dans le double. Double. Doublette. 100 euros. Allez, deuxième question. Qui de vous deux insulte les gens sur la route? Dans les bouchons, voilà, queue de poisson, tout ça, tout ça. Moi, je pense que je râle un peu plus que lui. Hein. Ah ouais, tu crois? Allez, deux questions. Allez, déjà Flo. Tout Flo. Hein. Allez. Oh ouais, c'est Flo. Qui de vous deux a déjà piqué l'ananas de l'autre ou serait prêt à le faire? C'est Flo aussi.
En fait, Flo a déjà 3 questions sur 5. En fait, c'est la palette. C'est pas ouais, j'ai qu'à jouer tout seul. C'est, ouais, ouais, c'est pas qui ne doute deux, c'est qui est Florent en fait. Mais j'ai gagné 300. On en est à combien? 300. 300. Non, mais c'est parce que la maman de Sylvain écoute, alors bon, vous comprenez. Et j'ai Jacques, le boss là, qui est en train de se dire, mais ils sont trop forts pour répondre aux questions, on est déjà à 300 euros. Bon. Quatrième question. Qui de vous deux est le plus radin pour faire un cadeau d'anniversaire? C'est pas moi. C'est pas moi non plus. Ah, voilà. Ah, il en faut un, il y a 400 euros en jeu. Il en faut un. Et c'est incroyable, mais c'était encore Florent. Dernière question avant la fin du jeu. Et là, j'ai pris mes renseignements, attention. Ah, qui de vous deux serait prêt à quitter le groupe pour faire une carrière avec, pour Sylvain, par exemple, Vincent Delerme, et pour Florent, il me semble, Christophe Maé. Qui serait prêt à quitter le groupe? Oh bah moi, c'est qui le problème de vous deux? Applaudis Christophe. Applaudis Christophe tout de suite. On appelle Vincent également. Parce qu'encore faut-il qu'ils disent oui, eux. C'est vrai. Sinon, donc encore sinon, Florent, quoi. Axel, Clémence, on va se faire sonner un bloc. 500 euros pour l'assaut. Bravo, Boulevard Désert. Merci. La comptabilité de 100%. Merci, Jacques, tu pour l'association. Ouais, je suis un bel enfoiré. Axel, aussi, hein. On revient dans un instant. Oui. Avec Boulevard Désert. Tout à fait. Et c'est tout de suite qu'on s'en va et on revient très bientôt. En direct depuis les nouveaux studios de 100% Radio, Boulevard Désert. Sur 100% depuis 17h, nous avons eu l'immense joie d'accueillir Boulevard Désert. Merci beaucoup. Depuis 17h avec nous sur 100%, ici en direct de Toulouse, l'album Loin des yeux, 12 duos, 12 titres inédits, un album évidemment qu'on vous conseille tous hein, dans toutes les bonnes crémeries. Merci Florent, merci Sylvain, vraiment. Merci. On rappelle qu'hier soir, vous étiez encore Martinique. En Martinique, c'est tout ça. À fait. Donc vraiment un grand, grand merci, comme d'habitude. Merci, comme depuis 17 ans. Presque. À chaque fois qu'on vous demande de venir, il y a ta maman Rosemary qui va encore appeler. Mais non, mais avec 100%, ça fait pas 17 ans. Voilà, bah en tout cas, depuis le début, on vous suit, puis on continuera de vous suivre. Et puis merci de répondre présent à chaque fois qu'on vous invite. Avec plaisir, merci à vous. Vous avez gagné 500 euros avec l'association. Rappelez le nom de l'association. Les Chiens Jaunes. Moi, Escala. Je demande à Jacques-Héry Barène, le boss, en moonwalk, qui vient, et ça on va le mettre sur les réseaux sociaux, il on va le mettre partout, sur le front, qui vient Jacques, avec le chéquier. Est-ce un vrai chéquier, patron? Oui, en fait, c'est le chéquier, et c'est même le chéquier de la maison, en fait. C'est carrément ton chéquier à toi. Ah oui, il y a marqué Jacques-Héry Barène dessus. Ah ouais, c'est vrai. Donc 500 euros pour l'association, puisque vous avez très bien répondu à toutes les questions que Clémence vous a posées tout à l'heure. J'aimerais remercier Clémence qui était avec nous plaisir. Depuis 17h. Axel également. Je vais remercier Grégo aussi qui est derrière. Je vais remercier Robin. Il est où qu'on va retrouver avec Clémence? Qui est passé demain nous matin. Faire un petit coucou. Robin, rendez-vous demain dès 6h. Hein, faut aller se coucher là. Ouais, on va y aller là. Avec Clémence pour le 100% réveil. Et encore une fois, un grand, grand merci à Boulevard Désert. Qu'on applaudit merci. Encore une fois. Merci d'être passé sur 100%. Merci à tous. Et voici le chèque de 500 euros. On peut mettre directement mon nom. Hein, puisque on parlait du producteur au consommateur. C'est moi l'enfoiré. Ouais. Alors on met quoi? Florent Dasque. Mais Wilfried. Oui. Ah non. D'accord. Merci à tous et à très bientôt sur toutes les scènes de France pour qu'on vous voit en live, puisque évidemment ça nous manque. Un grand merci, Boulevard Désert. Merci tout le monde. Salut. Et Wilfried qu'on retrouvera demain matin aussi, hein. À 10h, 13h, voilà. Et là, il est 18h. 100%